Salut les amis, je sais qu'il y a pas mal de fans de Super Nintendo et Super Famicom aussi qui regardent ma chaîne et j'aime beaucoup la Super Famicom. Essentiellement, j'achète sur Super Famicom, très rarement des jeux Super Nintendo. Voilà un truc que j'avais dit que je ne ferais plus, c'est d'acheter des jeux injouables en japonais. Mais j'ai pas résisté à prendre ce Treasure Hunter G de Squaresoft, qui est vraiment un petit jeu d'action-aventure très beau et très sympathique. Je ne pourrais pas faire, mais bien sûr, il existe des versions traduites que je pourrais mettre dans mon Everdrive. Donc Treasure Hunter, j'ai donc un RPG, donc ça rentre vraiment peu maintenant dans ma collection. Hein. Regardez-moi, c'est quand même magnifique, un magnifique RPG de Squaresoft qui a sa place dans ma collection, Super Famicom de RPG japonais. J'avais tout un tas de trucs en plus. Il y a un truc laissé par un japonais, je ne sais pas ce que c'est, des notes. J'ai cette petite pub là. Comme je le disais, c'est un RPG que je n'ai pas fait, mais qui je sais a très bonne réputation. Et je sais qu'il y a des ROM qui ont été traduites, donc évidemment si je me le fais, je le ferai en français ou en anglais. J'en ai entendu du bien, il paraît qu'il est très intéressant. Je connais pas bien le système de jeu du coup, mais on voit des personnages vus d'en haut un petit peu à Secret of Mana, du coup ça attire un peu le regard. Voilà, donc des petits personnages SD tout mignons. Voilà, j'en sais pas plus, c'est vraiment un jeu à découvrir où je l'ai acheté uniquement sur la réputation. Voilà, et comme chacun le sait, les RPG au Japon, ça coûte que dalle. Voilà des jeux qui ont très mal vieilli. Super Air Diver 1 que j'avais et Super Air Diver 2 ou la passion du mode 7. Donc ça coûte que dalle non plus, un Super Air Diver 2, donc pour les passionnés du mode 7, simulation d'avion version Super Famicom, ça peut être un peu malheureux. À notre époque, c'est vraiment par curiosité. J'ai une espèce de petit plaisir à rejouer à ces vieux jeux. Mais évidemment, ça fait un peu marrer, tout est plat, quoi. Ceci dit, il est jouable. On peut faire pas mal de figures de pilotage. On a un radar, on poursuit les autres avions. Voilà, vraiment du classique pour cette console. Mais bon, à réserver à certaines personnes. Nos amis de chez Tohoku.ltd, voilà, ils n'ont pas fait que Super à l'Est. Ce sont aussi les producteurs officiels de la licence Godzilla, un peu sur tous les supports et par tout temps. Donc celui-ci, il est quand même assez intéressant. Regardez-moi cette jaquette quand même, ça a de la gueule quand même. Ah, nos amis de Toho. Donc là, ils nous ont fait un tactical qui n'est pas inintéressant. En fait, on ne dirige pas vraiment notre Godzilla. On lui donne des ordres sur une carte et on a différents objectifs à remplir sur la carte. Et de temps en temps, il affronte un monstre comme dans un RPG. C'est limite un RPG tactique. Hein. Il est vraiment, vraiment particulier, il n'est vraiment pas inintéressant. Pour un Godzilla, bien sûr, c'est ridicule, c'est laid, tout ce que tu veux. Mais je trouve qu'ils ont fait vraiment un truc nouveau avec ce jeu. Faire du Godzilla avec un plus ou moins RPG tactique, il fallait oser quand même. Kakomana est un jeu que je voulais depuis très longtemps. Donc ceux qui ont fréquenté les salles d'arcade fin des années 80 savent très bien de quoi il s'agit. Un peu plus d'explications tout de suite. Kakoma Knight, alors les fans d'arcade savent très bien ce que c'est ce genre de jeu, que la pochette ne laisse pas transparaître. Vous avez des images et vous dirigez un petit réticule où vous devez découper des morceaux de voile pour faire apparaître l'image. Et quand vous avez découpé un pourcentage suffisant, ça laisse apparaître l'image. Et en fait... Pour ceux qui connaissaient bien ces jeux d'arcade, ben là il est tout mignon. Mais en fait, dans les salles d'arcade, tu avais toujours des bornes un peu cachées dans le fond des salles, avec Galpanic, je crois, ça s'appelait. Tu faisais la même chose, sauf que l'image au fond, c'était une grossesse à poil. Et je me souviens avoir vu des mecs péter des câbles parce que des fois, tu te faisais toucher par un monstre et ça transformait la super gonzesse à poil que tu avais presque dénudée entièrement en espèce de monstre dégueulasse. Moi, j'ai vu des mecs défoncer les bornes de colère sur ce genre de jeu. Évidemment, la version Super Famicom, il n'y a pas les nichons et les gondesses à poil, mais le principe du jeu est là et ça reste un jeu rigolo. À ma connaissance, c'est la seule adaptation sur console qui a été faite de ce genre de jeu habitué à voir des gonzesses dénudées. Et bien sûr, une petite update de ma collection The Great Battle. Comme vous savez, j'adore cette collection et j'avais de tout en vrac. Donc, j'ai maintenant le Great Battle Gaiden 2, qui d'ailleurs il n'y a aucun épisode 1, c'est directement Great Battle Gaiden 2.
Ils ont voulu faire un jeu dans l'ambiance de Great Battle Gaiden, mélangé avec du Goemon. Donc voilà, je vous avais dit, j'ai upgradé ma version de Battle Gaiden, puisqu'avant je n'avais que la cartouche. Donc là, j'ai un jeu en boîte, malheureusement sans notice, hein, peut-être que la troisième fois, j'aurai la totale. Ce Great Battle Gaiden 2, la boîte quand même vaut le détour. Ils ont voulu mélanger presto, ils ont joué à Goemon, je pense, de Konami, et ils se sont dit, tiens, si on mettait Great Battle à sauce Goemon, c'est vraiment ça, c'est un pur délire. Ça s'amuse, ça délire, c'est kawaii. C'est un peu un ovni quand même dans la série, mais je suis content de le virer. Un upgrade aussi pour mon The Great Battle 4. Super upgrade quand même. Un autre upgrade dont je suis très content, regardez la boîte est superbe, c'est The Great Battle 4, le quatrième épisode qui est le run and gun. Franchement, un super run and gun, mais pareil, qui est pas trop connu entre guillemets, à part des fanats de la série Great Battle. Mais c'est vraiment un run and gun excellent, regardez-moi ce design. Bon, j'avais que le jeu en loose, là j'ai trouvé une version complète pour pas grand chose. Enfin, à un prix très raisonnable par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Celui-là, il a sa petite cote quand même. Et vraiment, j'ai pas compris. J'ai réussi à l'avoir pas cher. Selon mes critères, pas cher en tout cas. Dans un état tout à fait acceptable. Vraiment un super épisode. Il y en a même qui pensent que c'est le meilleur. Et pour finir, j'ai enfin mon Graal, le dernier épisode qui me manquait de la saga Great Battle 5, yes, wow. Voilà, mon Graal, entre guillemets, c'était le dernier épisode qui me manquait dans la série des The Great Battle. Et aussi, il a une partie shmup, un shmup cher, entre guillemets, c'est le petit frère de Wild Gun. Entre guillemets, je dis bien, parce qu'il a des parties qui sont à la Wild Gun, où on a un personnage qui se déplace, qui saute, qui doit tirer, en plus dans une ambiance cowboy. Les robots dans une ambiance cowboy, mais c'est pas que du Wild Gun. Il y a aussi des stages pure plateforme qui alternent. Donc c'est pas que un jeu de tir, mais il est très intéressant, il est quand même assez dur. Et c'est marrant, The Great Battle, ils nous ont fait un épisode assez à ambiance médiévale, et là ambiance cowboy. La série s'est super renouvelée, il est quand même très beau. Je pense que c'est quand même un des épisodes les plus aboutis. Et même la partie plateforme basique reste excellente. Voilà, et même en cartouche, content de l'avoir eu, parce que alors là en complet c'est chaud patate. Voilà, en espérant que ça vous ait plu, et je vous dis à bientôt, parce qu'il y a encore un max de Super Famicom à venir.